Bonjour à tous. Pas d'invention dans cette épreuve où il est difficile de ne pas plébisciter en tête le numéro 8, Iron Parker, qui affiche pas moins de 4 victoires et 3 access hits pour 8 tentatives sur l'anneau canois. Dernièrement, il a perdu un peu de temps sur une hésitation dans le dernier tournant, ce qui lui coûte probablement un meilleur classement. On peut faire confiance aux frères Martens pour avoir effectué quelques réglages. À mon sens, il est capable une nouvelle fois de jouer les tout premiers rôles et pourquoi pas même s'imposer. On va lui opposer le numéro 6, Indian Danehill, qui répond présent à chacune de ses tentatives ces dernières semaines. Il reste sur deux bons accessits sur cette piste et possède des lignes avec Iron qu'il avait devancé sur son même parcours début janvier. Une revanche, ça me semble un petit peu difficile, mais pour un podium, je dis plutôt oui. Maintenant, c'est à vous de jouer et on se retrouve tout de suite pour un nouveau Côte et Côte dans la troisième.